sorti le 5 novembre 2013, un petit jeu indépendant de simulation. Tu te fais déjà la gueule. J'ai pas l'habitude de me sortir sur ton canapé. Aïe, ouais. C'est pas faux. Donc on a toujours notre patient, qui est... En fait, c'est à chaque fois le même. Ils n'ont pas trouvé de patients qui ont accepté de se faire soigner par moi, donc ils ont dit chaque fois « Hey toi, qui est assis au bord de la route, aïe, tu veux pas que te faire soigner ?» Nickel, je lui coupe l'arcade, la grosse veine. Oui, je suis un chirurgien du dimanche, je connais pas plus que ça le corps humain, mais j'ai eu mon certificat, c'est le plus important. J'aimerais quand même savoir que c'est le gars qui s'est occupé de ravitailler le... Vraiment, faut-il ouvrir ça. Qui a... Eh merde, les dents sont partout. Bon, on va prendre une dent qui traîne, parce que de toute façon, on s'en fout. Il va payer. On a qu'à lui dire que c'est une nouvelle mode aux États-Unis. Hein. Il va pas se poser de questions. Youpi. Là, j'aime bien... À part ça, j'aime bien comme les dents se collent, tu les poses, puis clic, c'est du... Ça se clipse. Tu plantes, puis hop, nickel, y a rien besoin de faire, tu... Voilà. Alors, est-ce qu'on arriverait à faire l'opération? Qui en soit... Eh merde. Ah, bah il a bouffé la dent. T'es là, tu l'opères, tranquille, nickel, puis d'un coup, t'es là, merde, il est où le cœur? Il passe devant tes yeux un peu, comme les corps dans Portal 2. Space! Space! I'm space. Voilà. En fait, on est un peu le chirurgien privé du patient, parce que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a toujours la même tête. Toujours. Donc soit il s'est fracturé trois fois quelque chose, enfin il faut lui changer trois fois quelque chose, puis du coup, bah... Voilà. Soit les développeurs, bah... Ils avaient la flemme de faire, bah... Plusieurs persos. Je penche pour la deuxième option. Parce que honnêtement, si j'étais patient et je viendrais me faire soigner par moi, je reviendrais plus jamais. Ah. Qu'on soit d'accord. Docteur. Une cage thoracique qui vole. Arrêtez la drogue. Bien petit. Bien. Allez. De toute façon, l'hôpital a assez de fric pour m'envoyer dans l'espace, donc je pense qu'ils auront assez de fric pour acheter une boîte à cœur. Lâche. Non, le cœur. Ah, le cœur. Non. Non. Dire que j'aurais pu rester tranquillement chez moi à regarder Jonathan et viser. Oh. Oh. D'ailleurs, je le dis et je le répète, si un jour je veux faire médecin, rappelez-moi de pas le faire, ça risquerait de sauver des vies. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Non, c'était quand même pas que vous commenciez à croire en moi. Ou... Ah tiens, lui, il sera un bon médecin. Non, c'est mieux pas. Oh! Allez, viens petit! Viens petit! Viens! Hé, trop court! Hé! Je l'ai pas! Oh, allez! Viens petit! J'ai des bonbons à la maison! Ok, d'accord. Je peux pas le faire dégager, non? Ok, d'accord. Et où qu'elle est cette seringue verte? Après, où est Charlie? Où est la seringue verte? Oui, moi franchement, j'adore ce jeu. Putain. Qu'est-ce qu'on peut pas être con des fois? Oh. Eh mon petit, viens. Non. Je l'ai eu? Oh oh. Oui. Je suis content. Bref. Ok. Gentil. Gentil. Pas gentil. Surprise. Tu restes. Pas bouger. Non. Allez. Putain. Alors ça, je sens que ça va être la partie la plus chiante, tu sais. Oui, pire que garder les gamins. Et non, je n'ai pas d'enfant. Oui, effectivement, j'ai merdé. Seringue verte. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est pas ça! Ah! Il y a tout qui vole! Bon bah monsieur, on va vous faire une transplantation de cerveau. On va vous mettre une boîte de pilules à la place. Allez.
Ça veut pas rentrer, on s'en fout, on force, il mourra pas. C'est de toute façon, pendant qu'on y est, le cerveau, on va le vendre sur eBay, hein, parce que, de toute façon, je vais me faire virer de la navette, donc je vais retourner sur la Terre, revendre le cerveau, ça coûte très cher, hein, j'arrive pas à l'attraper, c'est génial, mon pouce ne passe pas. Allez, je vous laisse, moi je pars sur eBay. Je peux pas sentir. La la la, la 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 la. I'm not ID what I'm doing, la la... Oh merde. Oups. Ah. Oh, alléluia. Non, pas alléluia. Ah. Là, il est en train de réfléchir, en train de se dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ce concours sur Internet? Je pouvais gagner un voyage de rêve. Puis je me retrouve dans l'espace, madame. Bon, là, il faut qu'on trouve le bon scalpel. C'est un scalpel gréviste. Nope, je ne couperai pas aujourd'hui. J'aime le visage du patient un peu, genre... Oh putain, c'est quand que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini, maintenant on charcute l'œil. Oui. Hey, je suis super content de me faire opérer. Ta gueule. Ah ok. Bon. L'étape maintenant est de prendre un scalpel, de planter un œil et de lui mettre un peu comme une olive dans un sandwich, oui, effectivement. Admirer ce beau morceau de piano. Oui, admirer avec l'oreille. Je sais, ça se dit pas. Tant pis. Le crayon. Ha ha! À la bonne blague! Ha ha! Fuck! Désolé, mais tu ne retrouveras plus jamais la vue. Désolé. Mais il y a trop de témoins, il faut que je t'aveugle. Ah, je t'ai tout découpé. Putain, même pour tuer un patient, je suis mauvais. Alors si ça marche... Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais... Non! Non! T'es sérieux? Tu peux vraiment remettre l'œil du patient avec un putain de crayon? Bonjour, je suis pour d'admin. Je suis... Non! Je suis con! Je suis chirurgien architecte. Allez, on se concentre. Ah, j'ai perdu un patient. Il y a un deuxième qui a toqué à la fenêtre de la navette. On va pas le décevoir, lui. Et dire que je pense qu'il y en a qui jouent, je sais pas, à Counter-Strike, puis s'amusent. Et puis il y a moi... qui aime me faire du mal avec et qui aime faire du mal aussi aux patients. Alors ça, j'ai vraiment l'impression que la seringue verte, tu sais, c'est genre l'objet qui défend tous les autres. Genre, t'es en train d'emmerder un scalpel. Arrête, sinon je vais tout le dire à la seringue verte et je vais me bloquer derrière. Ok, ok, c'est bon, j'arrête. Oui, il y a l'autre œil qui veut se barrer. Il en a marre, voilà. Pilule. Oui. C'est la valse des lasers. La 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 la. Est-ce que ça marche avec le ciseau? Allez. Cut cut. Cut cut. Cut. Cut 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 cut. Cut 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 cut. Il y a du Viagra. Il y a du Viagra, d'accord, il y a du Viagra, il n'y a pas de problème. Au cas où... Hey, dégage, dégage, dégage. D'accord. Non! Mais pas toi! Question, si on prend la montre et qu'on la colle contre la vitre, est-ce que vous croyez que ça fait une montre Hublot? Hublot. Hublot, comme la marque. Si vous tirez la même tête que le patient, c'est pas grave, c'est que vous êtes normaux. Et puis maintenant que j'ai besoin du laser, je peux plus l'attraper, c'est ça? Mais oui. Ah. Oups. Non. J'aime pas du tout sa façon de me narguer à ce...
laser. Mais en fait, il se fout littéralement de ma gueule. La la la, je tourne dans le vide. Space, 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 space. Non ! Ah ! Je sais pas si vous avez déjà essayé, si tu as déjà essayé, si nous avons essayé, si... J'arrive à mettre cette putain de casquette ! Cassette ! Voilà. Merde, j'ai pas mémorisé la séquence. Suis-je le seul qui a vraiment l'esprit mal tourné? Bref, on repose ça, c'est pas pour les enfants. Il dit téléphone maison. Eh ben non, il s'arrête au McDo, il a fait une crise de foie et puis il faut l'opérer. Bravo messieurs. Nous avons... Give me five. Et pourquoi il veut pas? Non, il veut pas, il veut pas, d'accord, il veut pas. Surprise. Le nouvel outil, le marteau tournant. Très pratique pour vos travaux d'entretien. Putain, mais il tourne vraiment en fait le machin. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, ou pas. Merde. Oui, donc les organes, il y en a. Le patient n'a plus besoin, on peut balancer. On a un petit peu plus rien à foutre. Il ira en racheter au magasin du coin de la rue. On s'en fout, on s'en bat les steaks. Coucou! On a sorti le cerveau. Hihi. Bon, perso, le jour où je vois un patient qui se balade comme ça dans le couloir avec le cerveau qui est posé sur la boîte crânienne, perso, je change d'hôpital. Ou de chirurgien, ça dépend. Non, je l'ai eu, c'est bon. Opération délicate. Voilà. Parfait. Où qu'il est? Où qu'il est le cerveau? Il est où le petit cerveau? Il est où? Il est là. Oui, parce que le concept en fait dans ce jeu, c'est que le matos, on le pète, puis on en rachète à chaque fois pour l'opération suivante. Ah, on pourrait juste enlever les lunettes, mais non. Non, l'hôpital a assez d'argent, on rachète des lunettes pour chaque patient. D'ailleurs, c'est pour ça que les opérations des yeux coûtent très très cher. C'est uniquement pour ça. Oh, puis merde, allez, hop. Ah, ah, ah. Oh, ça a marché. Oh putain, il y a même le foie. Allez, petit foie, viens. Je sais que ton propriétaire est un alcoolique, mais il faut que tu viennes maintenant. Allez, viens. Allez, viens petit. Allez, viens. Viens, viens petit. Allez. Il est petit. Oui, il est tout petit. Bon, ça va m'énerver. Oh, je sais pas comment j'ai fait ça. Alors, ça, par contre, ça pue. Non ! Non, 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 non ! Ah, putain, bon, tant pis. C'est quand même le seul jeu où tu balances l'organe du patient, puis oh, c'est bon, il va survivre. Le gars, il est au milieu de la salle d'opération, il est à moitié en train de crever. Mais non, non, c'est bon, il va survivre. Tu l'as pas refermé. Oui, oui, c'est comme ouvrir un Kinder Surprise. Bon, ok, de toute façon. Et maintenant, la fin d'opération la plus épique. Fuck. Dommage. Oh, jouet. Jouet. Laser.
Hi. Pardon. Allez, on lui fait une petite incision par là, par ci, par là, on va recommencer, voilà. De toute façon, le patient, il était mourant, il avait un cancer de la testicule gauche, on pouvait pas le soigner. Donc, on recommence. Vas-y, crève, 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 crève. Je crois que je suis viré. C'est bon, monsieur, vous êtes parfait. Vous pouvez retourner dans la rue. Allez, au revoir. Ah, tant pis. Ninja! Je crois qu'il est mort. Il bouge plus, il saigne. Ah non, c'est bon. Non. Oh. Oups. Comment sortir les yeux du patient? Non! Non! Oh! Oh! Hey! Il s'est barré avec ma montre! Vous avez devant les yeux un pot voleur. D'accord, ça marche! Je suis décidément le mec le plus con. Mais alors, ok, c'est assez classe en fait. J'ai une tache de sang sous le poignet qui fait un peu un visage de panda. D'accord, ok. Ok, donc maintenant on est à la pluie, dehors. Non. Non. J'ai un doute que les règles d'hygiène soient respectées en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est plus en train de traverser plusieurs bâtiments. Excusez-moi, je cherche l'hôpital. Ok, c'est bon. Continue tout droit. Genre, ils savent pas ouvrir les portes, les gens. En fait, à la base, le patient il vient pour se faire opérer du cœur, puis il ressort avec une fracture crânienne à cause des portes, justement. Mais what? Ah, puis ça aussi, tu réagirez comment vous? Vous vous baladez dans un couloir, tout à coup, vous voyez un gars qui est en train d'opérer quelqu'un, puis qui jette les. Qui jette ses, ses organes à travers le couloir. Vous en pensez quoi, sérieux? Du tout. Ah! Le cœur s'est arrêté. Lâche! Non! 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 Et merde. Bon, bah on a perdu le patient. Color! Oh. Oh oh, oh oh, bon, D'accord. Non, putain, je lui ai découpé la dent. La dent Eve. Pardon. Là, c'est sur le bonhomme, il va aller en soirée, il va aller draguer. Hey chérie, t'as vu, j'ai une boule de billard dans l'œil. Oh, c'est trop beau. Bon, techniquement, il verra rien, donc du coup, il va peut-être parler au mur, mais... Au moins, il aura quelque chose de spécial. Mesdames et messieurs, n'essayez pas de reproduire ceci chez vous. Ceci est effectué par des professionnels dans le corps médical. À part ça, je pense que le gars qui vient se faire opérer... Enfin, plutôt, l'hôpital où se fait opérer les gens, en fait, ils font signer aux patients une charte comme quoi ils doivent avoir une assurance accident avant de rentrer dans l'hôpital. Ça a plus de chances d'avoir... un accident dans l'hôpital que à l'extérieur en fait. C'est pas possible autrement. Non, lâche-moi. Allez, sors. Sors, petit neneuil. Voilà. Hi. Ah. 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 Tout perdu. Je suis où? Je... Reviens. Bon, ok, j'ai tout perdu. C'est parfait. Waouh. Ok, donc en fait, je peux foutre n'importe quelle dent où je veux. Oh yeah. On va faire une transplantation du cœur. C'est parti. Dans une ambulance. Oui, bien sûr, une ambulance qui roule à...
Les portes ouvertes, oui, bien sûr. Coucou. Bref. Ah, parce que... Ah, on est hyper efficace, nous, on aime agir vite. Bon, par contre, je crois qu'il a perdu... plus de je sais pas combien de pourcentage de sang. On a perdu aussi le cœur, je crois. Donc, de toute façon, on est foutu. Le cœur... Ah merde, il est encore là, en fait. Où est-ce qu'on en est? Zou. Non, j'ai la main prise dans la cage thoracique. Tu lâches? Lâche. Putain, tu vas lâcher. Je vous jure, j'ai aucune touche appuyée, là. Lâche, lâche, voilà. Ah! Ah, là, c'est bon. Dégage. Non, mais le patient est pas mort d'une hémorragie ou d'un cancer. Le gars, il est juste mort, en fait, parce qu'il est assommé par, je sais pas, un extincteur ou je sais pas quoi. Ça, j'ai plus besoin. Il me faut... Ah, j'ai le doigt coincé dans le plateau. Ah, putain, mais plus... Monsieur, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Fermez les yeux, pensez à un petit canard en plastique jaune. À côté. Parfait. J'arrive. Puis en plus, ça marchait. Voilà, bon, ok. Je l'ai peut-être... un petit peu... Comment dirons-nous ? Nuqué, mais non, c'est bon, c'est pas grave. On recommence, allez, on le ressuscite. Oups. What? Un coup de hache, ça fait perdre 2 litres. Ok, mais très bien, mais vas-y, mais tiens, prends ça dans ta gueule, mais vas-y. Ok, et je force, et genre, il perd rien. Mais c'est quoi ce jeu? Sérieux, regarde. Putain. Et prends la perceuse. J'ai pris la perceuse. Coupe. Ah, coupe l'os. J'ai coupé la tête du patient. Ah, ça c'était une mauvaise idée par contre. Ok. Plutôt, est-ce qu'on ferait le record du la vitesse dont il perd le sang là? Je crois qu'on a atteint les 118 ml par seconde. C'est un nouveau record. Un coup. 2 litres, 1 litre de sang perdu, d'accord. Ah mais regarde, regarde, ah, c'est dégâts. Je te démonte la gueule. Mais... Pourquoi tout allait si bien? Non là sérieusement, on se concentre parce que... On a un patient à livrer à la morgue. Donc faut qu'on se dépêche. La 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 la, je suis un artiste. Je louche, je louche. Changez-moi mes yeux. Bah oui, bah si tu veux que je te change les yeux... Moment. Je suis en train de faire de l'art avec la scie. Oh. Guiling, guiling, guili, guili, guili. Bref, pardon. Ah oui, on va peut-être mettre la boule noire si on la retrouve. Ah, mon bras se déforme, je ne comprends pas. Ah, c'est deg. Ah, c'est deg. Enfin, ah, il essaie de sortir, regarde, regarde. Coucou, je suis là, j'essaie de revenir, mais je peux pas, je suis coincé par un plateau. Bah, évidemment que t'es coincé par un plateau. Ah, j'ai un appel. J'ai un appel. Allô? 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 Alors, je crois que ce téléphone a un défaut.